Monsieur Schaffhauser pour le NL. Collègues, la situation de l'Éthiopie est fragile. C'est un des pays africains qui connaît la plus grande croissance économique, mais qui reste extrêmement pauvre. Sa situation sécuritaire se dégrade, et particulièrement en ce qui concerne les rapports interethniques entre l'ethnie majoritaire et les autres ethnies. Dans ce contexte, il est important de voir garantir effectivement les droits fondamentaux. Évidemment que nous avons un rôle de vigilance sur les droits de l'homme, mais essayons aussi de regarder d'abord aussi chez nous. En effet, l'Afrique a ses propres institutions multilatérales. A-t-elle besoin de nos leçons sur les droits de l'opposition? Les pays africains ont leur propre voie vers la démocratie. Renforçons le pouvoir de l'Union africaine qui saura affronter cette complexité, je l'espère. Nous ne sommes pas, nous, mandatés par les Nations Unies pour effectivement organiser ce gendarme des droits de l'homme.